Allez, salut tout le monde! Je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale sur Half-Life Alyx, puisque je vais utiliser ce coup-ci le mode BioShock. Donc, on va se retrouver dans Rapture. On va se retrouver, voilà, dans Rapture. Alors, pour que ça fonctionne, il faut bien sûr le jeu de base. Et ensuite, il faut aller sur Steam, aller chercher les maps. Donc, il y en a 8 à télécharger. Il suffit de vous abonner à chaque map et elle se télécharge automatiquement dans le jeu, hein, donc il n'y a rien à faire. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans les extensions ici. Vous allez mettre en marche les maps. Et tac. Ah, j'ai encore Golden Ice. Pas mal. Très bon truc, quoi. Voilà. Alors, celui qui a fait Retour Rapture, je sais pas comment il s'appelle le gars, c'est pas marqué là. Si, il est là. Ouais, Wim, machin truc là. Il a fait d'autres maps super sympas, des modes super sympathiques, et c'est vraiment cool. Ouais. Donc du coup, vous téléchargez les 7, et après vous lancez la 1. Donc après, là je vais continuer. Attends, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Partie, continuer, charger la partie sauvegardée. Donc j'ai déjà fait la map 1. Après, c'est téléchargement automatique. Quand vous arrivez à la fin de la 1, la 2 va se mettre en marche toute seule, et ainsi de suite. Voilà. Ah, mais non! Alors, attendez, il y a un bug ici. Attendez, c'est pas ça que je veux faire. Charger. Je vais charger une map. Je vais ici, juste avant. Alors, il y a toujours des bugs de collision, des petits problèmes. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'il y a quand vous avez des sauvegardes, si jamais ça déconne, quand vous réapparaissez comme là. Là, j'ai réapparu au-dessus du décor. Il suffit de recommencer un petit peu en bas. Donc, j'ai déjà fait le premier niveau. Oh, attendez, il y a des trucs encore. Donc, bien sûr, le principe hein, de Half-Life, c'est toujours le même. Hein. On prend toujours les mêmes trucs. Moi, je joue en Link hein, pour l'instant. Hein. Je suis dans mon bureau. Voilà. Après, le principe, toujours le même. Au niveau des options... Performance, j'ai mis excellente qualité, hein, donc là je suis awake, j'ai tout foutu à fond. Attendez, après au niveau des FPS, bah ouais, je suis à fond aussi. Voilà, donc magnifique. Tout est awake, 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 awake. Je reprends et c'est parti. Allez hop. Alors franchement, j'ai fait le premier niveau, je vous le montre pas parce que bon, il y a souvent des vidéos des premiers niveaux, alors j'aime bien le passer comme ça, vous aurez la surprise. Bon, là, c'est même pas histoire de spoiler parce que c'est... Ah oui, là, ici, tout à l'heure, là, j'ai été là. C'est là que j'ai mal réapparu, vous voyez, donc là, il y a une petite cachette secrète, là, merde. Donc là, je me baisse physiquement, il y avait une bestiole, si je me rappelle bien. Voilà, et j'avais été ramasser un truc. Par contre, c'est chaud, hein. Ouais, on peut rien faire. On se repart. Bon, c'est pas évident. Tac. En plus, moi, je me baisse physiquement. C'est bien, ça fait travailler les articulations. Il y a un frigo, là, il s'ouvre, au moins, tu vois. C'est très avarié. Alors, toujours la résine hein, pour les machines, pour améliorer vos flingues. Je sais pas si j'ai encore des balles. Non, j'ai plus rien. Putain! Ah, ils sont vivants en plus! Oups. Et puis quoi encore? Oh, il y a un truc là, attendez. Non, c'est pas ça que je veux. Ah,
Ah, le jeu est toujours aussi intense, hein. Que ça soit avec n'importe quel mode, c'est vraiment un des meilleurs jeux fait vraiment pour la VR, hein. C'est vraiment sympathique. Ils bouffent pas ce qu'ils veulent tous les jours, hein, on dirait dans le coin. Ok. Bon là, voilà, moi je m'étais arrêté ici, j'étais arrivé là. Donc là maintenant, je découvre avec vous. Oh, bah, attendez, attends. Ah, toujours là, les munitions. 70. Allez, on continue. Hein. Watch out, Alex. You know that there's a chance to be attracted to the health station. Alors le mec là qui a fait ce mode, il a même engagé un gars, alors, je sais pas si c'est un acteur, mais c'est quelqu'un qui fait des voix. Ah oui, ça je suis tombé sur un truc tout à l'heure, vous voyez, vous tirez dessus, vous mettez votre main là, vous pouvez récupérer, bah, c'est un peu ce qu'on trouve dans le nid. Ah vous voyez là le bug, bam, le mec il a disparu, il s'est levé, il s'est fait aspirer dans le mur, il y a plein de petites conneries comme ça quoi. Merde, je sais plus comment ça marche. Là il est là. Ouais, je sais plus comment ça marche. Il y avait un truc là. Comment j'avais fait? Faut mettre la main dedans? Non. Merde, mais ça marche plus. J'avais fait tout à l'heure sur l'autre. Il y avait un mur, j'étais tombé dessus. Il faut que j'appuie sur quoi? Là, c'est deux boutons. Et là vous tirez et vous avez la petite bouboule. Allez, bon, on continue. Oh merde, je voulais flinguer l'autre d'avant. Oh les cons. Tiens, je vous pique de la résine en même temps. Oups. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, hein, ça fait mal les balles. Et ouais. J'ai vu qu'il y avait un escalier, je vais faire un tour. Donc le jeu, après, au niveau de la fluidité, j'observe, je sais pas, hein, je joue. En tout cas, moi, dans mon casque, c'est méga, méga fluide. Donc déjà, moi, ça me va. Waouh, il y a plein de trucs bizarres ici. Nom de Dieu qui m'a fait peur. Ouh. Ah, salut, qu'est-ce que tu fais, là? Tu permets? Oh, elle est bien faite, la bestiole. Trop bien. Salut, petit gars. T'es trop bien fait. Salut. Moi, c'est Pétocasque. Et toi? Super bien. Moi, je vais pas la buter, elle est trop mignonne. Elle m'a rien fait. Je ne me sens pas agressé. Je n'ai pas besoin de la détruire. Oh là, il y a des trucs bizarres ici, non? Ça, c'est pour le truc en bas que j'ai vu. Il n'y a rien ici, c'est bon? Eh, franchement, le level design, il est vraiment... Bon, après, ça a des similitudes avec... Salut. Ah, il est trop bien. Eh, je te jure. Elle est en 3D devant vous, là. Excellent. Non. Oh putain! Tu m'as fait flipper! Elle m'a suivi en douce. Excusez-moi, hein. Oh la bête! Quoi? I see you got lucky this time, Alex.
Alors, par contre, il y a quelques fois, il y a quelques traductions, mais pas tout le temps. C'est fermé. Oh, ah, ça y est. Putain, c'est la première fois qu'elle s'allume depuis tout à l'heure. Depuis que j'ai commencé le jeu. Oh, la porte, elle s'est fermée. Retour en arrière. Oh non! Bah alors? Bien joué! Oh le piège! 40 balles. Par contre, il faut que je bouge dans ma pièce parce que là, je suis en train de bouger physiquement. Alors c'est... Le fait de ne plus avoir besoin des capteurs comme avec le CV1, c'est vrai que ça donne une liberté. Même si on a le câble Link là, j'ai tendance à bouger beaucoup plus. Oh putain! Gaspillage de balles! Oh l'ambiance! Oh putain, il est vivant! Cela, il faut attendre qu'elle se lève. Ouais, elles ont un petit machin jaune là, sous le bide. C'est vert, mais. Fuck, Alex, that's the room we need to be in. Find a way to flush out the water. Ouais, faut savoir qu'on est sous l'eau. En fait, ici, là, vous voyez, il y a des bestioles, là, des sortes de petits poissons bizarroïdes. Que j'ai pas spécialement envie de bouffer. Oh putain! Three left. Oups! Oh, mais pourquoi? Bah, Alex, s'est fait défoncer! Ouais, mine 2, hein! Excellent! Il y a plus de trucs qui arrivent! J'adore! Bon, c'est la première fois que je me fais buter aussi, mais. Donc là, je reviens là. Avec l'autre con là qui m'a bouffé. Il y en a deux en plus. Ah mais eux, je les ai vus tout à l'heure. J'étais au-dessus à un moment donné. C'est ces deux-là que j'ai vus tout à l'heure. Ouais, parce qu'en fait, vous vous baladez beaucoup là. On a l'impression de tourner un peu en rond. M'a rien donné. Non plus? Merde, dommage. Ouais, on peut éviter de gaspiller les balles en fait. 30 balles, il y a encore lui qui va sortir si j'y vais. Vous savez quoi? Je vais le laisser dormir, tu vois. Fuck, Alex, that's the room we need to be in. Find a way to flush out the water. Et voilà! Non, ça fait rien. Vous voyez comme on gagne, il suffit de trouver les bons trucs au bon moment. Non plus. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Il m'a dit il faut tirer quoi sur la vitre? Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Putain, peut-être qu'il fallait que je prenne la bombe là pour te péter. Merde, merde, merde. De toute façon, là, il y a trop d'eau. Regardez ça, les bestioles. Three mags left.
Ouais, bah c'est bien. Et là, je peux rien faire alors. Faut que je revienne sur mes pas. Ah, mais oui, c'est peut-être. Il y a peut-être une porte qui s'est ouverte du coup. Eh oui. Bonjour! Tiens! Pas bouger. Hop, hop. Bon, c'est dommage, là je suis un petit peu dans à l'intérieur, on voit moins le décor rapture. Oh, les ans. Alors en plus, j'ai les deux petits haut-parleurs. Tech. C'est quoi ça? Je sais pas. Appuyez sur ça peut-être. J'ai entendu un tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Ah, évidemment, comme c'est en anglais, on capte pas tout. Ah. In case of name, ne me dis pas qu'il faut que je remonte. Ah, peut-être que j'ai ouvert un truc là-haut. Ah, mais c'est peut-être une histoire de. Mais il y a quelque chose là, de toute façon, à faire. Mais je sais pas quoi. Puisque je peux pas prendre les résines. Merde. Il doit y avoir un truc à faire, mais je sais pas quoi. Donc il faut que je remonte, c'est ça? Ah, peut-être que ça a vidé. Merde. Oh, attendez. Last show. Hop, oh. Donc je pense que ça a dû ouvrir une pompe. Parce que tout à l'heure j'ai entendu le mec disait water. Alors ça se trouve c'est il fallait vider de l'eau. Non, il y a de l'eau encore. Mais il n'y a plus le mec. Bizarre. Merde, je ne peux pas passer. Tiens. Bon, il y a quelques petits bugs bizarroïdes. Je pense qu'il faut que j'aille là-bas. On va voir avec ça. Ah, vous voyez ? Ça marche, il faut se téléporter. Ouah, fusil!
Bon, l'autre, il arrête pas de faire des... En fait, il sert pas. Parce que j'arrive pas à le prendre bien. C'est de la déco, il sert à rien. Non, je vois rien. Il y a des piles là, à chaque fois on prend, mais... Ah mais c'est le pass. Si, il m'en fallait un. Exact. Oui. Je me rappelle, parce que j'ai trouvé, il y avait un... Putain, je sais plus où c'est en plus. Oh, c'était où? J'ai trouvé à un moment donné... Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Ouh, il y a des bestioles qui se baladent. Ah, mais c'est la bestiole qui est passée là. Le fusil, il sert à rien en fait, c'est de la déco. Hein. Oui, j'ai vidé l'eau, mais les bestioles, elles continuent à nager. C'est super bien fait. Et elle t'ouvre une gueule, là. Et elle te bouffe. Ah, c'est ce boîte qui gênait. Ah non. Oh, putain. Oui, oui, parce que je sais qu'à un moment donné, j'avais besoin de justement d'un pass. Mais alors, purée, je sais plus du tout où c'est. De toute façon, faut revenir sur mes pas. C'est un peu la race. Donc ça va être ouvert maintenant. Oui. Coucou, il y a quelqu'un. Je peux passer. Hein. Vous allez pas me buter. Non, là, c'est toujours bé. Hein? Ah, oh, hey, calme ta joie, toi. Eh ouais, sinon c'est moi qui te calme. Purée, il m'a fait sursauter. Bien joué, mon gars. Je te prends ta grenade, ça te gêne pas. Donc là, il y a rien, il faut que je reparte là-bas, en fait. Oh, mais il y a un truc là-bas, attendez. On peut encore mettre, hein? Il y a encore un peu? Ok. Ça va chier les bulles! Eh, franchement! Oh la vache! Au revoir! J'ai calmé tout le monde là, c'est bon? Bien vu, la bleue. Putain, en fait, ça a fait voler tous les cartons, ça m'a sorti des trucs cachés. Oh, j'ai déjà fait Half-Life Alyx deux fois, hein, donc c'est bon, hein, je commence à avoir les réflexes. Trop bien fait. Poltergeist, il y a des trucs qui bougent tout seul. Alex, listen, you're in control here, but I really do not recommend you eating that. Exact. Alex, look out! Oh putain, oh putain, oh putain! Oh là là! Merci, c'est mieux que rien.
la musique et tout qui fout la haine. Oh la vache! J'ai plus de vie, j'ai pas beaucoup. C'est où? Ah, c'est ça, ouais. Moi, j'y vais pas, hein. Ouais! Alors, lui, je l'ai eu. Restez où vous êtes. Non, j'ai pas trop le choix. Oh purée, y'en a un autre. Ah, je me suis fait avoir. Alex, bon, Alex, still there? Chaud cacao, les amis. Chaud cacao. 9h35, je recommence où, là? Eh, franchement, c'est intense. Le mec, là, le modeur, il a bien mis les ennemis où il fallait. Ah, je recommence d'ici. D'accord. Donc, il faut que je reprenne les passes. Je les ai pas. Alors, attends, je vais mettre là. Hop. All right. With this, we've unlocked further access into medical. Donc, déjà, je sais que... c'est bon. Je vais garder celui-là, parce que, déjà, pour me buter l'autre, là. Au niveau de la vie, ça va. Il me reste 2 balles pour ça. Ah, quoique non, maintenant que je sais qu'il va apparaître, limite je vais essayer de me le faire avec ça. Bien, bien, bien. Ça, c'est pour les bébêtes qui vont apparaître. La vie, c'est bon. J'ai l'impression de revivre cette journée indéfiniment. Comme c'est étrange. ~60, j'ai la vie presque à fond. Je vais prendre ce gros truc là, comme ça je vais mettre une cartouche énorme à l'autre. Alex, listen, you're in control here, but I really do not recommend you eating that. Ça fume, ça va péter, je pense. Non? Je vais faire cramer la bestiole. En plus, j'ai oublié de la sortir de la barquette. Ah là 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 là. Oh, ça chauffe. Excusez-moi. Oh là là. Déjà là, tu vois là, moi, ça tient qu'à moi. Moi, le rouleau, déjà, je le mets là, d'accord? Moi, les assiettes là, ça me gave. Parce que les gens, ils sont là, comme ça, ils rangent pas. Oh là là là, elle est où l'éponge? Elle est où l'éponge? On peut tout prendre là, ouais. On va déjà mettre tout ça à laver, voilà. Purée, mais c'est pas possible. Voilà, les 2 tasses. Non, ça va, elles sont à peu près propres. Je vais les mettre ici, voilà. Tac, tout bougez pas, hein. Je pense que c'est cuit, hein. Alors, ensuite, toutes les petites tasses là, on va les ranger là, voilà.
Les petites assiettes, on les met là comme ça. Tac. Voilà. Ensuite, ça, je peux pas. Ah, évidemment. Qui c'est qui a coupé l'eau? Il y a de l'eau dehors partout. Mais il n'y en a pas là où il faut. Ensuite, là, car moi je vais mettre les blanches, là, les noires avec des rayures. Je vais mettre celle-là, là, ici, comme ça. Tac. Excusez-moi. Hein. Voilà. Celle-là, elle est comment? Oh, c'est une noire, c'est une normale. Ok, et celle-là qui tremblote, je vais la laisser parce qu'elle ne veut pas sortir. Bon, tout est bien rangé. Les chaises, voilà, on va les mettre ici. Alors, moi, personnellement, quand je lave le sol, je prends. Est-ce que je peux la retourner? Merde, il faut les prendre à deux mains, je pense. Ouais, voilà. Voilà, après, vous les mettez comme ça sur la table. À l'envers. On peut pas! Bon, allons tuer de l'ennemi alors. Alex, look out! Whoops! Je lui tire dessus. Ah, ça y est, c'est planqué pour de moi. Lui, il est bon. Il ne reviendra plus. C'est le deuxième, là. Il y en a un deuxième, là. Eh, franchement, regardez, les petits éléments. Il y a tout qui se balade, les trucs qui respirent, là, les bestioles. Et ma vie qui fout le camp, hein. J'irais bien me restaurer au niveau de la vie. Bon, on peut pas toujours courir, hein. Il y a un mode aussi pour courir, mais c'est pas... Oh, merci. Par contre, la musique, elle me stresse, là. Elle me prend la tête, on va dire. Oh, c'est bien. La bombe, elle va flaguer les deux bestioles. Oh putain, il y en a un là-haut. Et il a ouvert les placards, dis-vous. Et voilà, ça fume, ça brûle et ça pète. Ouais, c'est là-bas. Oh, ça y est, je me rappelle. C'est bien ce petit viseur parce qu'en fait, ça vous fait apparaître en jaune. Ah, ça marche encore, lui? Attendez, ça vous donne des cadeaux. Ah non, je l'ai fait celui-là déjà. Ah oui, parce que je suis arrivé de là-bas tout à l'heure. Bon, voilà, faut que j'aille là-haut. Et je vais pouvoir passer au niveau d'après, je pense. Ouais, marquis d'époque. Marquis d'époque! Oh, attends. Hop.
Hop, 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 hop. Oh, je te garde au cas où. Mais la première occasion, je te largue. Hein. Donc et là, est-ce que... Ouais, voilà. Et là, donc là, je viens de finir la... Je pense la map 2. Et je vais attaquer la map 3. Donc je vais peut-être arrêter là. Je voulais vraiment vous montrer. Et comme vous pouvez constater, quand même, je suis en FPS à 90 FPS. Hein. Et avec le jeu tout à fond, avec une fluidité remarquable. Tiens, est-ce que t'aimes les pommes, toi? Vas-y, mange. T'aimes pas, hein? Moi non plus, j'aime pas. Mais je suis con, regarde, tiens. Un nain de jardin, est-ce que t'aimes les nains, toi? Et toi? Et ça permet de libérer le passage. Matez cette ambiance! Au niveau de la vie, ça va. Les petites canettes qu'on pète, on peut écraser. Parce que les bouteilles sont toujours pleines de regardez. Et ça c'est un petit truc, c'est un détail. Hein. Ils ont rajouté un liquide dans le... Dans les bouteilles. Oh. Est-ce qu'on peut taper avec ça? Oh, il y a même un effet de poids. Voyons si je prends à deux mains. Tiens, vilaine boulette. C'est quoi ça? Mm-hmm. Tiens, viens. Je te tire dessus. Ouh, bah oui, je vais prendre. Hein. Mais je prends Alex, aussi. I think I see a machine gun. Pick it up, will you? Ouais, parce que j'en avais des munitions. Last one. Cool. Non, c'est les autres cartouches maintenant que je voudrais. J'ai le même, t'as vu? Salut. Je te dis bye bye. T'es mignon. Mais j'ai besoin de... J'ai pas la gueule. Ah, ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Gueule les sardines. Alors ça, vous voyez, ça c'est les bestioles que j'aime pas trop. Celle-là, elle risque de se réveiller. Je sais pas gaspiller les grosses balles. Stop, Alex. Listen, before you venture forward, that over there is a camera system. Don't let it see you. You can shoot at the electrical panel or the camera itself. Ouh, be careful. Bo 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 bo, méga réflexe. Ça c'est du réflexe. Fais un peu. J'ai tapé comme ça, je l'ai repoussé, je l'ai tué. Est-ce qu'on peut passer dans les deux côtés? Ah, attends. Alors c'est bien, ils m'ont filé un gros flingue, mais il y a les cartouches. Alors ça c'est bien. C'est des bombes qui explosent quand vous tirez dessus. Par contre, quand vous les tenez et qu'un mec vous tire dessus, vous prenez cher. Matez ça! Ouh! Ouais, c'est vrai qu'on est au fond de l'eau. Alors l'IA sur le coup est un peu conne. Hein. Tiens, un coup d'arroseur dans les dents. Là, je vais essayer mon nouveau flingue. Ah merde, je peux plus retourner en arrière
reprendre de la vie. Et franchement, même s'il y a des petits défauts, des bugs de collision, tout ça, le jeu est vraiment, vraiment beau. Ah, mais ça c'est bien ça. Ces trucs là. Alors, c'est quoi? C'était deux boutons? Je me rappelle plus. Attends. Vous voyez, vous tirez. En fait, c'est les trucs qu'on trouve dans le jeu, à la fin du jeu, quand on rentre dans le vaisseau là-haut. Des petites boules d'énergie. Et quand il y a un petit con qui vous fait chier, vous lui balancez dans la gueule. Merde, c'est quoi ça? J'ai même pas vu arriver. Oh. Est-ce que je peux me baisser et rentrer? Non, je peux pas. Faut que je fasse le tour. Ah, il m'a enlevé un paquet de vie, l'autre là. Tiens. Je peux pas le prendre. Dommage. Quoi? Oh, attends. Hé. Ok. C'est bon. Pas content. Ah, mais je pouvais le casser en fait. D'accord. Oh, terrific. Oui, bah tiens. Merci. Bien ça. Un truc interdimensionnel. Bon, après, je vais peut-être pas trop continuer trop longtemps. Oh. Last shell. Ah mais oui, putain, j'ai une grosse caisse devant moi. Ah, allez, on va continuer un peu quand même. Oh, c'est quoi ça? Des petites figurines. Il y a un truc là. Il y a plein de trucs partout. Putain, c'est vraiment bien foutu. Hein. Boah. Mais il y a plein de trucs partout. Alors, le problème, c'est que ces petites bestioles-là, on a l'impression qu'elles sont mortes, mais elles sont pas mortes. Regarde, j'ai en réveillé une, là, non? Ah non. Ah bon, non. Ah non, vous voyez, elle était pas morte. Mamma mia. Alors, lequel prends-je? Merde. Ah oui, bien. Ça, c'est bon. Et celui-là. Que dalle. Super. Ah bah super. Tout ce qui brille, je le prends. Oh putain!
Ouais, et ben, c'était chaud. Hein. J'ai plus de vie, j'ai plus rien. Bien fait le jeu, hein. Et l'autre, il doit te cacher, ils étaient deux. Et il est là-bas. J'ai vu sa gueule. Regardez. Hop ! Attends. Avec le petit viseur, là, je peux voir. Ça peut être en jaune. C'est bon ? Tu peux sortir ? Merde, je croyais qu'il avait un truc à me donner, mais non. Ho 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 ! Comment c'est bien fait ! Là, il faut que je trouve une carte encore, vous voyez ? Faut que je trouve une carte violette. Fuck, we can't get through here yet. Look for a key. Yes, sir. De toute façon, vu la vie qui me reste, éternelle flamme. Ah merde. Oh, l'ambiance de ouf. J'adore. C'est assez fou. On peut rentrer là ou pas? Nein, nous ne pouvons pas rentrer. Bon, écoutez. De toute façon, ouais, je vais jouer jusqu'à ce que je me fasse buter, puis... Et puis voilà. Je vais prendre de grosses flingues. Ah, là, ouais, y a des bugs. Yeah. D'accord, là il faut que je trouve une source d'énergie pour pouvoir passer par là. Ah, là il y a une machine pour améliorer. Eh, franchement, le mec il a dû bosser comme un âne pour arriver à faire ça. J'ai plus de babal. Trop dark. Bien. I could have been the toast of Broadway, the talk of Hollywood, but instead I followed you to this sorry. Bien, c'est pas encore là. Faut vider le chargeur. Regardez-moi ça, mais c'est vraiment bien fait, hein. Les plasmides. Oh. Téléphone. Allô, j'écoute. Oh putain. Bien joué. C'était un piège. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là. Voilà. Donc déjà, vous voyez, franchement, le jeu, vraiment cool, Raoul. Putain, je suis complètement à l'envers dans mon salon, là. Enfin, dans mon bureau. Après, j'ai pas regardé mon monitoring, si j'avais beaucoup varié. Mais voilà. Après, il faut savoir un truc, c'est que là, les FPS qu'on voit sur le truc, là, c'est par rapport à mon casque. Hein. C'est pas les FPS du jeu même. Donc après, faut pas... Voilà. Je pense que si c'était en 2D, je pense que j'aurais peut-être même plus de FPS, on va savoir.
En tout cas, nickel chrome, Raoul. Bon, bah sur ce, les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, je récapitule, hein, si vous voulez y jouer, il faut installer le jeu de base. Vous allez sur Steam, vous allez vous télécharger les 8 maps, il y en a 8. Hein. Donc, il faut vous abonner à chacune. Et le téléchargement se fait automatiquement. Voilà. Sinon, c'est disponible dans vos abonnements. Et ça se télécharge. Vous allez après... je reviens en arrière, attendez. C'est lequel ? Ma belle but. Ça veut pas ? Merde, ça veut plus. Non ! Oh, purée ! Attendez, Bioshock. Attends, je vais revenir en arrière. Après. Chargement... Ouais, le menu, il doit être accessible que quand on joue. Et puis je recommence là. Voilà. Menu principal, accepté. Oh là là, c'est beau. Voilà. Et une fois que vous avez téléchargé toutes les maps, vous allez dans les extensions. Voilà. Vous les mettez en surbrillance, vous voyez ? Là, elles sont éteintes. La Golden Ice aussi, hein, super bien. Le jeu très réussi. Et là, le gars là, oui, me. Burden. Bye, voilà. En fait, il a fait une autre map là qui a l'air d'être bien réussie. Je vais peut-être me la tester aussi. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'elles sont allumées comme ça avec le trait blanc, vous retournez, vous créez, vous mettez commencer une nouvelle partie. Alors il faut avoir au moins 2 saves de disponibles. Hein. Voilà, deux sauvegardes, deux slots de disponibles. Donc si c'est pas le cas, il faut effacer deux trucs. Voilà, et ensuite à partir de là, commencez parti, et puis vous pourrez commencer à jouer à cette extension voilà, qui est vraiment, vraiment réussie. Voilà les amis, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse, je vous dis à bientôt, c'était PetoCast, ciao.